Hello tout le monde, ici PH pour Stack.ca et nous sommes présentement live en ce 6 juin 2021 pour le break numéro 6868, Jaromir Jagr, un numéro que je vais me rappeler toute ma vie parce qu'il a marqué ma jeunesse. J'étais un peu fan des Penguins de Pittsburgh et surtout de Mario Lemieux. Alors le 66, lui-ci, sera sous peu en direct. Je le souhaite très très bientôt parce que le 66... Oh, qui va être beau! Beaucoup de belles boîtes, deux fois SPA, de Cup, Trilogie et SPX. Wow! Donc, j'ai baissé le volume, pas que vous m'entendiez en triple. Alors, hey, salut Normand! Hello, hello, hello! Donc, présentement live pour ce break, ça nous prend 31 places. Est-ce qu'on en a 31? Allons-y! Et on en a 30! 30, ce qui veut dire qu'une place sera redistribuée gratuitement parmi tout le monde qui aura le bonheur d'accéder à cette merveilleuse place qui, sait-on jamais, pourrait vous donner aussi une excellente équipe. On sait pas. Hey, Nemat. Hi, how are you? Salut, Jérémy. You almost bought a spot. Why didn't you do? It's gonna be nice. These boxes are filled with fire again. I'm sure. Alors, tout le monde, sans plus tarder, nous allons faire trois brassages. Après les trois brassages. Ah, I understand that. It's that's sad, hein? If we had all the money in the world, we would do breaks every time. salut, Simon. Allô, allô, Simon. Alors, sur la plateforme YouTube, j'ai Nemat qui souhaite la plus grande des chances à tous les participants et toutes les participantes du break numéro 68. Il aurait bien voulu se joindre à nous, malheureusement, faute de moyens. Et je comprends ça. C'est des choses qui arrivent, alors pas de problème. On va en avoir d'autres dans les prochains jours, c'est garanti. On est là pour vous en sortir à tous les jours, comme vous le voulez, à votre demande. On respecte ça. Alors, pour tous les budgets également, puisque c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter plusieurs places à un fort prix. Donc, on s'arrange pour essayer de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Et voilà. Alors, trois brassages pour notre place finale, la 31e. Ensuite, trois brassages des équipes, trois brassages des noms. Et on jumelle les deux listes. Et on break. Vous êtes prêts, tout le monde? Alors, la dernière fois, je ne l'ai pas mentionné et on avait eu un problème. Et j'espère ce soir, il n'y en aura pas. Des fois, la communication avec le site de random.org est difficile et on n'aura pas de problème ce soir. Pourquoi? Parce que le Canadien a gagné! C'est parti pour le premier tour de Steve. On y va au deuxième tour de brassage. Qui sera le nom retenu? Jérémy. Et la troisième et dernière... Ouais, nous avons donc Mario! Félicitations, Mario! Félicitations! GDPH. Salut, Patrick! Je présume que tu vas dire salut, ou good, ou bonsoir. Go, Habs, go, Nemat! Thank you. 3-0 in the series. That's pretty nice. Premier tour effectué de la Caroline. À l'autre équipe, j'ai pas eu le temps de voir. Deuxième tour canadien à Vegas. Vegas. Colorado. À suivre. Et le dernier tour des équipes, les Kings de Los Angeles aux Blues de Saint-Louis. On y va maintenant pour le tour de nos participants et participantes. C'est parti de Jérémy à Patrick. Premier tour. Deuxième tour, c'est un départ de Mario à Julien. Et le dernier tour. C'est donc de Jack à Steve. Allons voir qu'est-ce que la liste nous procure en ordre alphabétique. Voilà, voilà. Alors, on est situé en 2021. Les équipes, disons, plus intéressantes dans cette liste. Nous avons Buffalo intéressant, Chicago toujours intéressant, Colorado très bien aussi, Dallas qui a fort probablement plusieurs cartes, il y a toujours des cartes pour Dallas. Edmonton quand même intéressant, on a le Wild pour Kevin,
et Montréal pour Kevin. Brassage assez chanceux pour toi, mon Kevin. Félicitations. On a les Rangers pour Patrick. Félicitations, Pat. J'espère pour toi beaucoup de Lafrenière. Sait-on jamais? On a ensuite le New Jersey qui est intéressant avec Jérémy Ottawa. Jérôme, très très bonne équipe. Pittsburgh Eddie, c'est toujours une équipe intéressante. Ben, on a les Sharks pour Steve. Salut Tommy! Hello! Ensuite, on a les gagnants de la Coupe Stanley. Tampa Bay, Stéphanie, peut-être, on ne sait jamais. Bonne chance à toi. Et Normand, Vancouver. Vancouver, très bon. GY, salut mon GY! Première fois, je pense, je te vois. Alors, GY, tu vois, Vegas, Washington, un très bon candidat avec Connor McMichael, Jean-Sébastien et Julien, les Jets de Winnipeg. Ben, tu es l'heureux malheureux de ce soir. Quand je vais avoir une carte des Jets, j'ai pas le choix de dire bouh, mais c'est pas contre toi. Je te souhaite des bonnes cartes, mais ils vont perdre demain. On fait ce deal-là. Alors, on passe en mode carte. Allons-y. La liste est de retour. La voici. Je vais juste me placer plus droit. J'ai rapproché mon micro comme voilà. Hey, long jase comme ça. Oh que oui, oh que oui. Comment qu'il va, Tommy? Es-tu en forme? J'espère qu'il est en forme. Et vous savez maintenant, ceux qui me connaissent, le podium de la gloire était avec nous jusqu'à date. On peut pas dire qu'il a nui à qui que ce soit, hein? Le podium de la gloire. Et on se laisse ici une série 2, puisque ce sera la première boîte de 2 que nous allons ouvrir. Alors, c'est un départ. Boîte numéro 1, série 2, 2021. Voilà. Naturellement, les deux noms que tout le monde a sur les lèvres en pensant à la série 2. Il s'agit. Oh, Jérémy est en retard. Jérémy cherche à savoir si le vidéo est parti. Est-ce que Jérémy est là? Et je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de l'inviter. Parce que Jérémy me parle en privé. Il me dit, ça part-tu bientôt? Je pense qu'il sait pas qu'on est là. On ne lui dira pas, OK? Attendez-moi un instant. Je vais essayer de l'inviter. Là, je pense qu'il y a un bouton pour inviter. Non, mais je vais copier le lien, ça va être déjà ça de fait au moins. Tiens. Et voilà, paste, envoyé. Alors tiens, Jérémy, tu vas avoir la vidéo. Hein? Ok, excusez-moi. Ok, on y va, on y va. Alors. Les paquets sont là. Jérémy devrait être parmi nous dans quelques instants. Et c'est quoi tu as eu? C'est trop petit. Est-ce que tu peux le tourner de côté? Si tu le mets en mode paysage? Non? Alors, Tommy, je vais te dire ça avec un grand plaisir. Tommy, il faut que je te trouve. Je te trouve. T'es où? Tommy, il me semble que j'ai dit ton nom. Ça, c'est Tony. Tony, Floride. Et Tommy. Tommy, t'es où, Tommy? Voyons. Oh oh! Pense qu'il y a un problème! Écoute, je m'en viens de voir en privé, mon ami. Je pense que je sais ce qui s'est passé. Ah non, t'es là, Nashville, t'es là! Ok, excuse-moi. Hey, bo boy. Nashville, mon Tommy. Alors, les Preds de Nashville. Je suis comme passé par-dessus les Prédateurs sans trop savoir d'ailleurs pourquoi. Alors, tu as les Preds de Nashville. Hey, merci. Francis, salut Francis, d'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je te vois sur une publication où je suis en direct. Alors, salut bien, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est parti pour tout le monde. Première boîte, 4 boîtes hein, ce soir dans ce mixer. Et on débute avec une carte ici des Caps de Washington. Vitek Vanecek, Portraits, Rookie. Max Pacioretty. Pendant une seconde, je pensais que c'était la variante française. Mais non. Salut David! Hello! Comment qu'il va, David? On y va ensuite avec une OPC. OPC Update. Mason Marchmont pour les Panthers de la Floride. Ah, ben oui. Ça, Normand,
Oui, tu as raison. Ça fait tellement. Écoute, plusieurs boîtes. Et je vous jure, ce sont toutes des boîtes fermées, des caisses fermées, en fait, que j'ai eues. Je ne sais même pas si j'en ai eu plus qu'une des Young Guns exclusives. Young Guns High Gloss, pas encore. J'attends la première. On a eu des High Gloss, mais pas des Young Guns High Gloss. Travis Konecny, ici pour les Flyers de Philadelphie. Et une Dazzlers pour les Ducks d'Anaheim. On s'est vu à la boutique? Oh, attends un peu. Oh, attends un peu, Francis. On s'est vu à la boutique. Hey, je vois. Oh, les icônes sont très petits. Alors, Francis, est-ce que tu peux me rappeler dans quel contexte on s'est vu? Est-ce que tu as acheté quelque chose en particulier que je vais me rappeler? John Gibson Dazzlers pour les Ducks d'Anaheim. Alors, je pense que j'ai une idée, là. Je vais essayer de fouiller dans ma mémoire. On continue ensuite. Hey, that's it. Avec une avance de 3-0 pour le Canadien dans la série contre les Jets, comment ne pas bien aller, hein, tout le monde? Même si vous n'êtes pas un fan du Canadien ou que vous êtes un fan des Jets. Bouh! Première carte des Jets. Bouh! Vezina Trophy pour Connor LeBoc. Ok, oui, parfait. Excellent, je te replace. T'avais un beau chandail. C'est toi qui avais le chandail? On sait de quoi qu'on parle avec le chandail. Si c'est toi qui avais le chandail, ben c'est beau. Si t'avais pas le chandail, c'est beau aussi, mais t'es l'autre. Je me rappelle. Je peux même te dire quel jour. Quel jour et quelle heure. On continue ici avec la prochaine. Une Kel Makar. C'est pour l'Avalanche du Colorado. Kel Makar. Calder Trophy, winner. Gagnant du prix Gold parallèle. Ton frère qui t'a gagné. Ah ouais, donc. Kel Makar, ici pour David. Mon frère qui m'a gagné, excuse-moi, qui m'a gagné. Ben non, il n'y a aucun problème, nous autres, c'est pas grave. Hey, salut Marty! Marty, come on, Mart! Salut, comment qui va, Marty? On continue avec le prochain paquet ici. Oh, une Young Gun, c'est pour les Rangers de New York. Keyhandry Miller. Pour Patrick, mon pote. Keyhandry Miller. Ah, oui, ok. Non, non, pas de problème, écoute. Hey. Mais il n'y a pas de stress. Je me rappelle, c'était même lundi vers 18h. Keyhandry Miller, Young Gun. Ici pour les Rangers, notre première ce soir. Ce soir. Alors, mais l'important, c'est qu'il soit confortable ce chandail-là, puis qu'il réchauffe, hein? Mais moi, ça me fait plaisir. Et ben, l'important, c'est que vous êtes là. Ben, au moins, toi, tu es là ce soir. Alors, est-ce que les boîtes ont été quand même intéressantes? Ça, j'aime ça, savoir si les gens ont frappé des bonnes choses. Comment qui va le Martin? Connor McMichael pour les Jets. Bouh, excusez-moi. Capitals of Washington. Portraits Rookie. On continue. Avec le prochain. Oh, on a une Young Gun. Est-ce que ce sera Monsieur Maillet? J'ai le pressentiment que nous allons avoir une Young Gun pour Washington ou pour Floride. C'est Washington. Philippe Maillet. Pour les Caps. Alors, Young Gun. Oh, un petit gars de Lachenay. Lachenay, je me rappelais pas que c'était Lachenay. Alors, Monsieur Philippe Maillet de Lachenay. L'humidité, ah, oh, ouais, ça doit, hein. Oh my god, ça doit. Puis j'ai pas hâte. J'espère que tu as une bonne air climatisée ou des bonnes fans. Alors, Philippe Maillet, Young Gun ici, deuxième Young Gun de cette première boîte de série 2 Hobby. On continue. Prochain paquet. On a une Canvas. William Nylander. Plus besoin de le bouer. Il a déjà perdu. William Nylander Canvas pour Toronto. Ah, nice, Tommy, ça a bien été. Ça veut dire que ça a été quand même assez vite, malgré le petit délai. Mais l'important, c'est que tu l'aies reçu. Et le résultat, as-tu l'air de quelque chose de bon?
Et pour Vancouver, Young Gun, Nils Höglander. Nils Höglander pour les Canucks de Vancouver. Allez, pourquoi la sleeve? Allez, sleeve, rentre. Allez. Alors, Nils ne veut rien savoir, c'est fait. Il est cadre à deux portées. Il est cadre 2 à portée. Ah, papa, une belle patch sur 15, c'est solide. Donc, pour Vancouver de Normand, Nils Höglander. Excusez-moi, j'essayais de lire Lucas Carlson. Excellent, ça, quand même. Caco, solide, mon Tommy. Good job. Capo, caco. Un bon résultat, ça. Oh, on a deux cartes ici, des Hurricanes. Mais juste en dessous, je crois qu'elle est rose pour Tampa Bay. Dazzlers. Dazzlers pink pour Stephanie. Braden Point. Les roses étant plus rares que les bleus. Pas de problème. Alors voilà, Braden Point. Braden Point Dazzlers pink. On va le mettre ici, tiens, pour la cause. Toujours un peu bien d'avoir du rose dans notre vie. Et on enchaîne avec notre prochain paquet, notre numéro 12. Arturi, le Conan est une base, mais c'est Stuart Skinner pour Edmonton. Blue Border, donc bordure bleue, c'est pour Edmonton. Et le beau boy, hein? C'est-tu dans ça qu'il y a? Hey boy! Hey, les gars, à soir, je vous avoue, je sais pas si c'est moi qui ai de la misère à lire ou c'est votre orthographe qui en arrache un peu. Bowen Byram, Portraits Rookie pour l'Avalanche du Colorado, ainsi qu'une belle variante française. Eh, parfait. Maintenant, t'as magané ça. Oui, c'est là-dedans qu'il y a Kaprizov. Exactement. Alors, Kirill Kaprizov peut être potentiellement dans cette boîte ou dans l'autre, sait-on jamais. Ou bien dans une autre des deux, comme la trilogie et la SPX. Ça doit, hein, mon Francis. Donc, Mathias Ekholm, variante française. Je vous la remontre de proche ici. Variante française pour Nashville. Nashville. Ah, aujourd'hui, moi, je suis pas allé dehors longtemps. Je suis allé à la pharmacie. Je suis revenu et j'ai été à l'extérieur. Petit coup de la vie. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai dit? On a une Young Gun ici. Matisse Kivlenix, c'est pour Columbus et Young Gun. Qu'est-ce que j'ai dit avec les petits gars de la ville? Que j'écrivais trop bien ou que la misère à écrire? Alors, c'est sûrement pas la bière qui a fessé. J'en ai seulement bu deux dans toute la journée, donc voilà. Matisse Kivlenix pour Columbus et Young Gun. Et tiens, Capo Caco ici pour les Rangers. Et seulement une base. Je comprends pas trop qu'est-ce que tu veux dire avec les petits gars de la ville parce que j'ai rien dit de méchant. David Rittich ici pour Calgary. La photo est vraiment belle. David Rittich. Canvas, c'est pour les Flames de Calgary. Qu'ai-je dit pour mériter ça, mon Pat? Moi qui étais tout heureux pour toi de te sortir une belle Young Gun. On continue. Oh, Matthias Brome, c'est pour les Red Wings de Détroit, de Marc-André. Ah, c'est ça, c'est pour l'écriture. Le traducteur. Ok, là t'es sur mute. Ok. Matthias Brome,
Young Gun pour Détroit. Donc, Marty, je crois comprendre que tu es sur le traducteur. Tu es sur mute. SADP. Rules. Ah, Saint-Anne-des-Plaines. Hey, certain. Moi aussi, je viens de Saint-Anne-des-Plaines. J'ai passé ma jeunesse à Saint-Anne-des-Plaines. Oui, la prochaine carte ici, c'est pour Chicago. Rookie Materials. Nicolas Baudin. Nicolas Baudin. C'est pour les Blackhawks de Chicago. Très, très divertissant. Je comprends ça, mon Marty. Des fois, je vais dire des choses et ça va traduire quelque chose de très cocasse. Alors, napkin blanche. Pour les Blackhawks de Nicolas Baudin. On continue, il reste environ 6 pacas. Et je vais faire exprès, Martin, pour te dire des mots que ton traducteur va vraiment dire des choses drôles. Non, Patrick, il a dit SADP, c'est pour Sainte-Anne-des-Plaines. C'est une ville. Sainte-Anne-des-Plaines. Alors ici, Bowen Byram, Marquee Rookie pour le Colorado. OPG Update. Oui, je sais que ça se fait automatique, sauf que je m'amuse parce que j'ai souvent regardé des breaks de d'autres endroits, comme aux États-Unis. Puis quand ma blonde est couchée à côté, ben sur mute. Et il y a le traducteur, c'est toujours drôle. Mais des fois, ça dit des choses assez hilarantes, là, disons. Alors, Pierre-Olivier Joseph, Portraits Rookie. Pour les pingouins de Pittsburgh. Alors, voilà. SADP. Signifie Saint-Anne-des-Plaines. À moins que ça veut dire d'autres choses, David. Mais je suis pas mal certain que tu veux dire Saint-Anne-des-Plaines. C'est la faute de la chaleur. T'as raison, Pat. Mais je suis pas un petit gars de la ville. Là. Moi, je viens de Saint-Anne-des-Plaines. Il y avait des champs avec des vaches. Puis l'odeur de fumier. Nico Mikola pour les Blues de Saint-Louis. Marquee Rookie. Et je sais pas dire que dans les petites villes, ça sent toujours le fumier. Mon Dieu. Et j'espère que je me ferai pas... tu dis des choses contre certaines villes. Non. J'ai resté à Saint-Anne-des-Plaines pendant environ 7 ans. Et oui, il y avait bel et bien des fortes odeurs de fumier. Brett Hull pour les Stars de Dallas. Il s'agit d'une retired canvas pour les Stars. Brett Hull. Le joueur, un des plus jeunes à avoir atteint le plateau des 600 buts en Ligue nationale. Alors, Brett Hull, pour les Stars de Dallas de Stéphanie, comme je te disais un peu plus tôt, Brett Hull est un bel exemple de carte qu'on peut attraper dans la série 2 avec les Stars de Dallas. Ah, bye bye. Ça, tu sais quoi répondre à ta blonde, hein, mon Pat? Oh, Flashwood. Oui, si, je suis également un gars de Flashwood. Ça, c'est pendant 17 ans. Donc, 3 paquets restants dans le 3, ben, le premier des 3. Une OPG update de Olli Juolevi pour Vancouver. J'avais cru voir le logo de l'Avalanche, mais non, j'ai regardé vite. Deuxième paquet sur 3. Ah, c'est tellement drôle quand tu racontes ça. Jake Oettinger, Marquee Rookie rétro. Encore une fois pour les Stars de Dallas. Bah, un aquarium avec 200 poissons. Le dernier paquet de notre première boîte, et ça se termine avec une Young Gun de Nico Mikola pour les Blues de Saint-Louis. Alors, pas d'exclusive Eyeglass ou de Clear Cut, malheureusement, dans cette première boîte de série du hobby. Ah oui, donc, allez. Hey, les sleeves Beckett, là, hein? Non, mais avouons-le. Alors voilà, Nico Mikola, Young Gun avec les 3-4 bases de fin de Packer.
prochaine boîte ici. Allons-y. Il en reste deux après ça avec la trilogie et la SPX. J'espère que t'as pas nommé, tu sais, donné un nom baptisé chacun de tes poissons, mon Pat, parce que ça risque d'être assez ardu à dire lui c'est X, lui c'est Y. Hein? J'ai déjà de la misère à me rappeler de 10 noms des 101 Dalmatiens. J'imagine pas si t'as 200 poissons, il faut que t'es ailles baptiser tous un après l'autre. De toute façon, tu sais comment ça va finir ton aquarium, hein? À 50 gallons, je sais que c'est pas très gros, mais une belle canne à pêche, là, avec une petite bière un bel après-midi, c'est ensoleillé, là. Ça va être intéressant quand tu vas être rendu adulte. Oh, oh, on repart ça avec notre deuxième boîte, Darren Radish Young Gun. Darren Radish Young Gun des Rangers de New York. Darren Radish. Alors voilà pour les Rangers. Deuxième Young Gun pour les Rangers. Darren Radish. Les cartes années. Ben écoute, quand tu couvres une décennie comme ça, c'est assez plate de te dire. Qu'il n'y a rien. Là. C'est assez impossible. Là. Depuis 2005 à 2015, c'est garanti que tu vas avoir quelque chose. En fait, les 30 équipes, je dis 30 parce que Vegas n'était pas encore dans la ligue à ce moment-là. S'ils ont donné Vegas dans le tirage puis que les boîtes arrêtent en 2015, il y a un petit problème. La prochaine carte ici, une canvas de Columbus Jonas Korpisalo. Jonas Korpisalo, encore une fois, une belle photo. Canvas pour Columbus. C'est dur de pas avoir une bonne équipe dans un break avec des boîtes qui couvrent 10 ans. Je te dis ça comme ça, c'est toute réserve, mais au fil de cette décennie, il y a sûrement eu plusieurs joueurs que je peux pas tous te nommer un par un. Young Gun ici, de Yanni Hakampa. Hey, Yanni Hakampa. Je crois par contre que tu pourrais avoir je pense que c'est Phil Kessel. J'espère que les séries comptent pas. Yanni Hakampa pour les Ducks d'Anaheim. Young Gun. Deuxième Young Gun de cette deuxième boîte. Juste valider. Non, pas de variation française. Fait que 200 jours. Plus tes enfants. Oh, Igor Zamula! J'espérais peut-être avoir un autre joueur. Mais quand même, pour les Flyers, fluorescence de Igor Zamula. Ils sont tellement belles, les fluos. Mais je comprends pas, cette année, ils ont pas numéroté. Ben, disons, la première déclinaison de couleurs, sont pas numérotées. Celle-ci, je crois qu'il est rouge ou orange. Alors, Igor Zamula, fluorescence, rouge-orange. Tiens, on va mettre la couleur à côté du rose. Hein? On aime ça, le rose. Et on aime l'orange aussi. Et voilà. Bon. Quelqu'un a acheté une place. Là, je tiens à le dire, si vous entendez mon imprimante, Free Pass. On a changé quelque chose dans la... dans le dispatch entre guillemets d'envoi de facturation. Moi, je reçois un packing slip pour chaque transaction et ben à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose, eh bien vous allez l'entendre dans le break. C'est-tu pas beau, hein? C'est génial. C'est bien. Marky Rookie, Shane Bowers pour le Colorado. Alors, ne vous en faites pas, je n'ai pas le contrôle sur l'imprimante. C'est seulement que quelqu'un fait un achat. Et si ça vous tente d'avoir vraiment du plaisir, là, allez tous faire un petit achat. Vous allez tous entendre l'imprimante dans le vidéo. Ça veut dire qu'on va être capable de faire un autre break après. Ça serait vraiment le fun. Ça, j'aimerais ça. Oh, ça, c'est cool après. Qui a le Canadien? Oh, Kevin. Alors, Alexander Alexiev. Portraits Rookie pour les Caps de Washington. Et la prochaine, pas une carte d'une très grande valeur, mais oh wow, bon moment pour avoir ça.
Variante française pour le Canadien de Montréal. Jesperi Kotkaniemi. Désolé pour le blanc. Le blanc. Le blanc. Désolé pour le blanc. Tour du chapeau blanc. Ok, je suis d'accord. Excusez-moi. Ah, oh, voilà. Jesperi Kotkaniemi. Voilà, variante française pour Montréal. Ça mérite quand même un petit coup de tonnerre. Come on. Beau petit hit pour le Canadien de Montréal. J'aime ça. Jesperi Kotkaniemi. Avouons-le, hein. Il joue quand même bien en série. J'aime ce que je vois. Canadien qui mène 3-0. Kotkaniemi sur la glace dans plusieurs occasions différentes. Hein? Ok. C'est pas. Kachuk. Artem Zagidulin. Portraits pour les Flames de Calgary Rookie. Artem Zagidulin. C'est pas Brady Kachuk. Mais est-ce qu'on peut s'avouer quelque chose? Brady Kachuk, il est pas en série. Ah, hein? Ben c'est ça. C'est la vie. J'aurais, oui, préféré Brady Kachuk, pour être honnête. Mais on l'a pas. Donc, je vis très bien avec Jesperi Kotkaniemi. Ok, prochaine carte ici. C'est une autre Young Gun pour l'Arizona. Jordan Gross. J'ai entendu dire entre les branches que ce gars-là était un peu vulgaire. Poroumchi. Hey, ça me prend vraiment un bouton sur mon pad. Mon deck plutôt, qui va faire le roulement de Poroumchi. Jordan Gross, Young Gun pour l'Arizona. Pour ceux qui n'ont pas compris, Gross en anglais, ça peut signifier comme dégueulasse, vulgaire. Fait que voilà. C'était le jeu de mots plate du dimanche soir, présentation de PH. Et on continue dans ce cas-là, hein? Parce qu'il reste d'autres cartes. Oh, nice! Pour Buffalo! Buffalo! Jack! Young Gun Canvas! Dylan Cousin! Une petite tonne à Waydon pour les sorts de Buffalo. On a besoin de se réveiller un peu. Grossier. Exactement, mon love. Gross. C'est comme plus dégueulasse ou répugnant, là. En tout cas. Ça peut être utilisé dans d'autres contextes. L'important, c'est qu'ici, on a une Dylan Cousin. Young Gun Canvas pour les sables de Buffalo. Félicitations. Nice. Dylan Cousin Canvas. Bon, qu'est-ce qu'on enlève? On va juste enlever Pointe et la fluorescence. On va garder notre cher ami Kotkaniemi. Et comme ça, Dylan Cousin prend sa place sur le podium de la gloire. Et on continue. C'est pas terminé. Encore beaucoup de chance dans les prochains packs. Alors, on y va. Prochain pack. On a une Young Gun. Est-ce que c'est un gardien? Et oui, pour les Islanders, Ilya Sorokin, Young Gun pour les Islanders. Pas encore, Ralph, par contre, mais c'est bien que t'en parles, c'est très bien que t'en parles, je dois passer les anciens avant, mais je vais utiliser cette fenêtre devant moi pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Alors, Ilya Sorokin, Young Gun. Stéo. Mon Dieu. Hey, j'ai vraiment... Alors, Ilya Sorokin, Young Gun. Il y a quelque chose que je comprends pas à soi. Je sais pas s'il y en a qui ont trop fêté la victoire du Canadien. Stéo. Mais qui est Stéo? Stéo. Alors, Stéo, tu collectionnes. Et non... Ceux-ci sont les merveilleux Top Loader Stack.ca. Alors, c'est le seul format que j'ai à la maison pour l'instant. Oui. Stack.ca vend maintenant ses propres Top Load. Ça vous intéresse? On a tous les formats. 55, 100,
130, 180 et dans peu de temps. Mais oh! Alors, dans peu de temps, nous recevrons nos 35 ainsi que les sleeves 35 à 100 et 130 et plus. Alors, voilà, si ça vous intéresse, qualité stack garantie. Dans très très peu de temps, tous nos breaks seront envoyés grâce à ces merveilleux uploads. Et en attendant, on doit juste terminer ceux que nous avons en réserve d'une autre marque que je ne nommerai pas en public. Alors, pour ceux qui sont intéressés à avoir des top loaders, stack.ca, vous pouvez nous écrire en tout temps. On va se faire un plaisir, si possible, de vous en envoyer pour la modique somme de ce que ça coûte pour chacun. Je ne dirai pas ça, malheureusement, ce soir. Je n'ai pas les prix par cœur, mais venez me poser la question en privé. Ça va me faire un grand plaisir de vous y répondre. Et nous avons ici une variation. Street Clothes Variation pour le Lightning, André Vasilevski. Mew. Alors, Mew. Dans les boys. André Vasilevski. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une carte du Lightning? Boom! Lightning. Un petit coup de tonnerre. André Vasilevski. Street Clothes Variation. Pour le Lightning de Stéphanie. Stéphanie. Mais tu ne me regardes plus, Stéphanie. Est-ce que Stéphanie est entre nous ou bien quoi? Mais non, parce que tu sais pas, tu pourrais avoir peut-être la programme avec sa lance, mon Pat. Sois positif, Pat. Sois positif. Joel Kirivanta, Blue Border pour Dallas. OPG Update. Sois positif. Positiviste, mon Pat. Prochain paquet ici. On a une Alexander Alexiev pour les Caps de Washington. Parce que de toute façon, la canvas officielle de Lafrenière, ben, est dans série 1. Fait que t'avais pas de chance de toute façon. Tu vois, je te ramène ça. Je te ramène sur le droit chemin, mon pote. Il n'y a pas de Lafrenière canvas. Il y a seulement que la programme avec excellence dans la série 2. Hey. Alors, on continue ici avec une canvas. Ben oui. Parfaitement bilingue, mon pote. C'est écœurant. J'adore ça. Philippe Grubauer. Vraiment nice la photo, encore une fois. Philippe Grubauer. Canvas pour le Colorado. Ainsi que pour les Islanders. Kiefer Bellows. Alors, Kiefer Bellows pour les Islanders. Dazzlers Blue. La jeune recrue. Les Islanders. Je dis jeune, mais je sais même pas. Kiefer Bellows, il me semble qu'il est pas vieux. Il me semble qu'il est comme 19 ans. Là. Du moins, il est pas comme Kirill Kaprizov, qui lui en a 25, je crois. Mais c'est pas grave, ça empêche pas le talent. Hein? Ils ont le droit même à 25 ans d'être cru, donc. Nathan MacKinnon, ici. Gagnant du prix Lady Bing. Lady Bing Trophy pour Nathan MacKinnon. De l'Avalanche du Colorado. Prochain package. Je crois qu'il nous reste encore deux Young Guns à sortir de mémoire. Peut-être éventuellement aussi. Peut-être. Exclusive, White Glass, ça serait le fun. Reed Duke. Rétro pour Vegas. OPG Rétro. Pour Las Vegas, Reed Duke. On continue, on a une Young Gun ici. Cal Foot. Voilà, je pense que je l'ai eu. Cal Foot. Ah, tellement, il a tellement l'air d'avoir ça. Hein? Reddish. Il a l'air d'avoir 45 ans. Puis je savais checker, je pense qu'il a 24 ans. Là. Cal Foot, Young Gun ici pour le Lightning. De Tampa Bay, Cal Foot. Tiens, on va le mettre ici en compagnie de. Pourquoi j'ai mis Philippe Maillet là? Excusez-moi, je vais l'enlever. C'est pas qu'il est pas bon là, mais Philippe Maillet,
Je pense que c'est un petit gars de la chenille. On continue avec le prochain package. Je crois qu'il nous en reste 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un bonus. Mais non, il n'est pas si vieux, mais il a l'air vieux, en effet. Il est calé déjà un peu de cheveux. Fait que ça y rajoute un peu d'âge. Victor Soderstrom. Portraits pour l'Arizona. Victor Soderstrom. On continue avec le prochain paquet. Patrick Marleau. Et on a une Vitali Kravtsov. Vitali Kravtsov pour les Rangers. Marky Rookie. Pourquoi je laisse lire? Ah, excusez, mes réflexes. Les réflexes. Ouf, désolé. Oh là 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 là, je suis comme tout excité de voir. Là, y a-tu une exclusive ou une eyeglass là-dedans? Là? Let's go, là. Come on. Prochaine carte ici. Une canvas de Jason Zucker. Jason Zucker, pingouin de Pittsburgh. Si je slivais toutes les cartes, le break pourrait durer au moins le double du temps. On y va. Prochain paquet. Prochain paquet. On a ici une autre carte de l'Avalanche du Colorado. Pavel Francouz. Pavel Francouz, le République tchèque. De l'Avalanche du Colorado. Il reste 3. 3 fois 3 packers. Let's go. On a une carte sombre ici. Derrière, on a une Mackenzie Entwistle rétro. OPC rétro pour les Blackhawks de Chicago. Alors, 2 paquets. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Là? Vous êtes penchés? Voilà. Alors, l'avant-dernier paquet. Il s'en passe des choses à ma gauche. Donc, une Young Gun. Young Gun ici de Maxim Letounov. Des Sharks de San Jose. Maxim Letounov pour les Sharks. Oups, il n'y a plus de upload. Alors, pour les Sharks, Maxim Letounov. Pour les Sharks de San Jose. Et allons voir notre dernier paquet de série 2. Oui, down. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit quelque chose, là, s'il vous plaît? Là. J'ai envie de faire un boom, de crier un peu, puis de mettre de la musique. Et ça va être une Ty Dillandrea. Ty Dillandrea. Portraits Rookie pour les Stars de Dallas. Ok, donc pour la prochaine boîte, on va faire la SPX. Ici. En premier. Et je vais juste aller chercher des top load. C'est bon, une petite seconde. Là, on jase. Bon. Ouh, excusez. Je suis parti par l'arrière. Je pensais que je m'en étais emmené. Et non. Bon. Ah oui, trilogie. Ok. C'est toi qui décides, Normand. Excellent. T'as raison. Excellent. Tiens. On y va avec trilogie. J'aime ça. J'adore ça. N'hésitez pas. Quand vous avez des envies, des choses à me demander, là, hey, allez-y. Je suis très, très, très open. Voilà pour nos 6 paquets trilogie. Boîte vide. Alors, c'est un départ pour le premier de nos 6 paquets trilogie. Bonne chance à tout le monde encore. Et on y va avec la petite base de derrière et devant. Et nous avons une Lucas Carlson Super Stage Rookie pour Chicago. Et la carte derrière, Kiefer Bellows pour les Islanders. Rookie Rendition, la 50 de 799. Kiefer Bellows pour les Islanders. Un decoy. Deuxième paquet. On y va. Alors, on a une base derrière ici.
Une et deux, la rookie rendition, Alexander Yelesine pour les Flames of Calgary. Et derrière, Joel Kelivanta. Nice rookie, Premier's Level 2. C'est pour les Stars de Dallas. Joel Kelivanta, c'est numéroté sur 499, la 65 exactement. La Eric Carlson sur 499 des Stars de Dallas. Joel Kelivanta. Oh, ça semble épais. Ce paquet-là semble un peu plus épais. Est-ce qu'on a un jersey, une patch? Même pas. Ah ben. Mon toucher. De la misère ce soir. D'abord, tiens. Super Stage Rookie. Gustav Lindstrom. Super Stage Rookie. Pour les Red Wings de Détroit. Et derrière, ici, une Peyton Krebs. Pour Las Vegas. Rookie Premiers Level 1 sur 999. Pour les Golden Knights de Vegas, de GY. Je sais pas si t'es là, mon GY. Je t'ai fait un petit coucou en début de vidéo. Ça semblait pas y être. Si là tu y es, ben coucou quand même. Peyton Krebs, Las Vegas Rookie Premiers Level 1. Trois paquets restants. Je vais juste mettre les bases ici. Voilà. Qu'avons-nous? J'ai hâte de voir. Est-ce que nous aurons une belle autographe? C'est que Trilogie peut être très surprenant des fois. On y va donc avec une rookie rendition pour les Stars de Dallas. Thomas Harley. Thomas Harley. Et derrière, nous avons une Jason Robertson. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il y avait une autographe, mais c'est plus, on dirait, une grosse goutte d'eau. C'est vraiment drôle, hein? Regardez, on dirait une grosse goutte d'eau. Celle-là, elle l'a pas, là. Je me demande bien c'est quoi. Ah, c'est sa jambe. Non, c'est pas sa jambe. Ça semble être la jambe d'un autre joueur. OK. Eh, bon boy, excusez-moi, là. J'ai eu beaucoup de misère à visualiser c'était quoi. Alors, Jason Robertson, encore une fois pour les Stars de Dallas. Rookie Premiers Level 1 sur 999. La 918, 918 sur 999 pour les Stars de Dallas. L'avant-dernier paquet de Trilogie. Arrête de fumer, si seulement c'était ça. Et non, malheureusement ou fort heureusement, je suis vraiment pas un fumeur, j'ai jamais fumé. J'ai déjà essayé dans la jeunesse et j'ai détesté. Je n'ai pas aimé, c'est mon avis. D'autres personnes aiment ça, moi non. Alors ici, on a 5 cartes. Hein? C'est des choses qui arrivent avec certains paquets. Est-ce qu'il y en a une qui est numérotée? Non, McDavid. C'est 20, 18 et 9. Donc, rien de spécial. 3 bases. On a une bonus. Pour les Coyotes de l'Arizona, Victor Soderstrom, Rookie Rendition. Et derrière ici, une Joel Kelivanta. Eh bien, Dallas et encore Dallas. Si je dois aller chercher... des sleeves. J'aurais dû faire ça le premier coup. Bon. Donc, Joel Kelivanta pour les Stars de Dallas. Et voilà, Kelivanta ici. Bon. Alors là, si je comprends bien, il devrait avoir une autographe dans le prochain paquet. On dirait que j'ai fait exprès de garder ça pour la fin. Alors, dernier paquet de Trilogie. 2020-21. Oh, on a probablement soit une signature pack. Peut-être aussi une grosse relique. Allons voir. Alors, ça va être derrière Kel Makar. Dans quel sens allons-nous? Oh, je crois que ça va être couche. Non, oui, debout. Oh, debout. Donc, ça devrait être une rookie. Rendition. Alors, 1, 2, 3. Oh, boom! Pour Dallas. Encore Dallas, ben coudonc. Dallas. Boom! Jake Oettinger. Solide.
patch autographe numéroté 2 sur 49. Jake Holtinger, 3 couleurs. Hardy! C'est quasiment un blanchissage de Dallas. Allons voir juste pour le plaisir de regarder ça. Hein? Dallas ici, belle patch 3 couleurs. Très belle carte quand même ici pour les Stars de Dallas 2 sur 49. Gardien du futur, probablement, c'est ça. Ah, c'est vrai, sont vraiment belles. Les patchs, là, je dois l'avouer, là, t'as tout à fait raison, Francis. Très, très belle patch. Alors, Jake Oettinger sur 49 patchs. Juste vous rappeler, Kari Venta, Robertson, ah, Pettengrub et Joel Kari Venta. Quand même, plutôt cocasse. Alors, pourquoi je le mets là? C'est pas là qu'elle va. Mets-toi ici. Et toi, tu vas rester là. On va juste enlever. Hey, je veux juste faire la réorganisation, tout le monde, là. Comme ça, comme ça, comme ça. Tiens, de toute façon, on va revenir à la fin avec le tout. C'est fait. Donc, on y va pour terminer avec la dernière boîte SPX. Voilà, dernière boîte. 4 paquets, chacun théoriquement d'une carte. Oui, oui. Ils disent 4 premium cards, mais j'ai cru comprendre qu'une fois de temps en temps, ils nous mettent une base. Alors, dernière boîte que j'ai ouverte dans un live, j'ai eu la surprise. Je pensais que c'était un decoy, je voulais cacher c'était quoi la carte. Toujours un decoy ensuite la carte, et là, ben, c'était une base de Jack Hughes sur le dessus. Donc, bon, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Alors, bonne chance pour les 4 cartes de fin. The break, c'est parti. La première, boum, pour Chicago. Philippe Kourachev. Ah ouais, donc. Ah ouais, donc sur 175. Shadowbox Rookie. Pour les Blackhawks, Gabriel. Solide. La 85 sur 175. Ah! Moi, je savais pas ça, normalement. Merci de me l'apprendre. Philippe Kourachev, Rookie Shadowbox Gold. Ah, t'as gras sur 175. Philippe Kourachev. La grande carte ici, Gold. On va tout en or. Voilà. Tant que je déballe mon paquet. Ça va, j'en avais un peu plus. Et là, on l'a comme le doigt. Ah. Ok. Paquet numéro 2. Allons-y. Avec une autre carte ici. Est-ce que nous avons une carte recrue encore? C'est un départ pour Jordan Bennington des Blues de Saint-Louis. Jordan Bennington, Jersey SPX. Sont-tu assez épais pour les 100? C'est moi juste. C'est tight un peu. Non, on va aller dans 130. Si vous me permettez, ça rentre, mais ça. Non. Quand ça force un peu sur les côtés, je change de grandeur. Jordan Bennington pour les Blues de Saint-Louis. Jersey, semble pas numéroté. Le troisième paquet. Les deux sont à peu près de la même épaisseur, donc on va y aller dans cet ordre. Et c'est donc probablement une base numérotée ici de Seth Jones sur 299 pour Columbus. Seth Jones, la 124 de 299, excusez-moi. Je ne sais pas... diminuer la numérotation qui est inscrite. Donc, Seth Jones pour Columbus. Pour Alexandre, Seth Jones, notre dernier paquet. Ah oui, donc, ce serait le fun de ne pas avoir eu l'auto puis d'avoir une autre auto à la fin. T'sais. On a eu une en premier paquet. Finir avec une autre autographe, ce serait encore mieux. Et donc,
Est-ce qu'on a... Oh, une Shadow Box. Shadow Box de Morgan Geeky. Morgan Geeky pour la Caroline. Alors, Morgan Geeky, Shadow Box. Et cette version non autographiée n'est pas numérotée, mais c'est une carte recrue. Morgan Geeky pour les Hurricanes. Allez, rentre là, toi. On dirait que la sleeve... Écoutez, comme je disais tantôt, je ne forcerai pas les choses. Vraiment l'épaisseur d'une 130, mais allons-y dans une 180. Prendra pas de chance. Comme ça ici. Et voilà, la dernière carte de ce break. Morgan Geeky, Shadowbox Rookie. Chin-chin. Hey Patrick, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Faisons un petit récapitulatif, tout le monde ensemble. Allons-y, comme cela, comme cela, comme cela. Et comme cela. La score pour Karine. Ouais. Alors, c'est la fin. Voici le récapitulatif de ce break. 68, Morgan Geeky, Shadowbox Rookie. Seth Jones, Columbus, 299, Bennington, Jersey. Pour Saint-Louis, Kelfoot, Young Gun. Le Lightning, Keandre Miller, Rangers, Young Gun. Peyton Krebs sur 999. Kirivanta, Level 2 sur 499. Robertson sur 999. Et Kirivanta sur 499, Jersey. Young Gun de Letounov, San Jose, Philippe Maillet pour Washington. Une variation Street Clothes de André Vasilevski pour le Lightning. Igor Zamula, Fluorescence, Flyers, Braden Point, Lightning, Rose, Jordan Gross, l'Arizona, Matthias Ekholm, Française pour Nashville. Yanni Hakampa pour les Ducks d'Anaheim. Le joueur de 47 ans, non c'est pas vrai, il est en 96. À Toronto, Darren Radish, donc le 28 février 96, ce qui en fait 4 plus 21, 25 ans. Darren Radish, qui n'en a pas 47, mais en apparence, on pourrait croire que... Darren Radish pour Pat, Young Gun des Rangers, Nico Mikola pour les Blues de Saint-Louis, Young Gun, Brettol, Retired Canvas... Pour Dallas, Chicago, Nicolas Baudin, Rookie Materials, Matthias Brome pour les Red Wings, Matthias Kivlenix, Columbus, Jesperi Kotkaniemi, variante française, pour Montréal, Nils Höglander pour Vancouver, Ilya Sorokin, Young Gun, les Islanders, Dylan Cousins, Canvas, Young Gun, Buffalo, Philippe Kourachev sur 175, Rookie Gold, autographe, Shadowbox et une Jake Holtinger pour Dallas sur 49, patch, 3 couleurs autographes, bravo aux Stars qui ont, disons-le en français, volé le show carrément. Hein? Les Stars de Dallas, c'est des étoiles, ils aiment avoir l'attention qu'ils disent. Et voilà, c'est tout pour le break numéro 68. Je suis encore un peu en forme, si vous voulez. J'ai quand même bien dormi cet après-midi. J'ai fait une bonne petite sieste. Bien, le plaisir est pour moi, Normand et Pat et tout le monde. J'apprécie vraiment votre présence. Stack.ca, en fait, apprécie beaucoup votre présence, votre participation. Et si ça vous dit, ben moi, je suis pas fermé. Si on remplit un autre break, ah oui, donc, on est capable. Malheureusement, je vous lancerai pas un plein pas plein à cette heure-ci. Des fois, à cette heure tardive, c'est un petit peu plus difficile. Et je veux pas que le magasin assume des pertes atroces. Alors, écoutez, ça va nous faire plaisir. Si jamais vous avez des envies particulières, venez me voir en privé, on va discuter. Je peux être live dans quelques instants. Sinon, surveillez cette semaine. Oui, cette semaine, des choses vont se passer. On va vous dévoiler des petits breaks à des heures précises. Alors, à suivre, je vous rappelle, hein, concours 750 membres. On y approche, là, il en manque une centaine. On est près du 650. Alors, invitez tous les gens que vous connaissez. 750 personnes. On ouvre une tin gratuite de The Cup. C'est-à-dire 750 membres, on fait un tirage. Les 31 premières personnes après le tirage se méritent une équipe automatiquement.
Ces 31 personnes obtiennent donc l'équipe On ouvre la tine. Et si vous avez une carte, gratuitement, c'est à vous. Envoyé par la poste. Merci, bonsoir. C'est à vous. Alors, c'est un petit concours qu'on a depuis le début. Un objectif aussi pour nous d'essayer de grossir le groupe. Alors, n'hésitez pas à inviter vos meilleurs amis, vos collègues, même vos ennemis. C'est pas grave. Nous, l'important, c'est de vous sortir des cartes, des breaks et vous satisfaire le plus possible. Alors, je vous rappelle aussi également stack.ca. Ouh, promotion. Les beaux top load ici. Ici, j'ai juste des formats 55, mais on a 55, 100, 130 et 180 en magasin. Éventuellement, on va recevoir les 35 et les sleeves thick et les sleeves régulières. Ça ne sera pas très, très long. C'est sur le bateau. Ça s'en vient. Alors, faites vos demandes. Venez voir en privé ou si vous avez des besoins quelconques, n'hésitez pas. Demain, magasin. Dom et moi, on est là toute la journée, dès 11h. N'hésitez pas à venir nous voir jusqu'à 18h, ça va nous faire un grand plaisir. Si jamais vous voulez ramasser vos cartes de break en magasin, s'il vous plaît, écrivez-moi. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est pour vous qu'on fait tout ça. Et l'imprimante me dit, c'est l'heure. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite passer une bonne fin de soirée. Go Habs Go, demain, est-ce qu'ils vont gagner? Oui, 20h, c'est un rendez-vous. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Au revoir.